Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. Et si mes souvenirs sont bons, on doit parler à Jaal, puis faire une quête qui est déjà sur le vaisseau lui-même. C'est parti! Oui. On Je vous verrai plus tard, Jaal. dirait que je me suis trompé Je dans vous Jaal. souhaite bon courage. Ah, on verra après, tard, je suppose. Ce soir, j'ai des rapports à faire. Beaucoup de rapports. Mais lieutenant, vous pouvez quand même pas perdre trois fois de suite. Je sais exactement ce que vous essayez de faire, et ça m'énerve de voir que ça marche. Qu'est-ce que vous allez faire de votre fortune, Gil? Un piège qui n'attend plus que de la visite. Je vais le laisser et voir ce que ça donne. Je suppose que ce sera un peu plus tard, hein. Donc on a des quêtes à faire encore, donc voilà. Communication par holoconférence en préparation. Ryder, comment va mon pionnier préféré? Je profite d'une autre belle journée dans le secteur Eleus. Pourquoi? Je me disais qu'on pourrait aller boire un verre. Sloan organise une petite soirée pour les habitants du coin. J'ai réussi à avoir une invitation. Vous voulez m'accompagner? Sloan m'a pas l'air d'une grande fêtarde. Elle voit ces événements comme un moindre mal pour satisfaire la population. Des boissons gratuites, ça se refuse pas. Surtout si elles viennent de la réserve de Sloan. Je vous retrouve au QG des insurgés. En orbite autour de Kadara. On va aller 2-3 quêtes sur Kadara, puis on ira voir pour les arches, je suppose. Il semblerait que la fête batte son plein. Monsieur Vidal vous a demandé de le rejoindre à l'entrée. Stop. C'est une soirée privée. Ryder, pionnier humain. Je suis pas n'importe qui. Y a pas de Ryder sur la liste.
Il est avec moi, Reyes Vidal. Allez-y. Reyes Vidal, je commençais à croire que vous ne viendriez pas. J'aime faire des entrées remarquées. Vous vous souvenez? Chut! Présentez-moi donc votre camarade. Pionnier, voici Kehema Dorgun, représentante des Angara auprès de Sloane. Et une amie. Une amie? Je pensais que Reyes n'avait que des collègues ou des contacts. Oh, je suis tout ça aussi. Qui lui a déniché une invitation à cette soirée, à votre avis? Désolé de vous interrompre, mais je dois m'occuper de quelque chose. Vous m'abandonnez déjà? Je ne serai pas long. Il y a des gens importants ici. Vous devriez les rencontrer, faire bonne impression. Vous allez avoir quelques verres à rattraper. Je suis toujours plus efficace quand j'ai un peu de retard. C'est promis. Le voilà parti. Vous savez ce qu'il manigance? Mieux vaut ne pas trop s'inquiéter de Reyes. Profitez plutôt de la soirée. Bah, c'est parti, mêlons-nous à la fête, hein. Ravi de vous revoir, pionnier. En quoi consiste votre rôle de représentant Angara auprès de Sloane? Je suis là pour donner à Sloane le point de vue des Angara. Elle vous écoute? Seulement dans les cas extrêmes. Elle se proclame pro-Angara, mais elle fait passer les insurgés avant tout le reste. Elle organise ses fêtes pour Amadou et les miens. Mais un jour, ça ne marchera plus. Comment vous avez connu Reyes? De la seule façon possible, en faisant affaire avec lui. Ses talents sont très précieux à Port Kadara. Vous faites partie de la Résistance? Non, j'échange des informations avec Ephra, mais Kadara reste ma priorité. Si les insurgés et le collectif se déclarent la guerre, c'est mon peuple qui en fera les frais. J'espère que vous ne voyez pas les miens d'un mauvais œil à cause de ces pirates. Aucune inquiétude, Ryder. Je ne suis pas du genre à faire des généralités. Vous, je vous aime bien. Je reste partagé quant à vos supérieurs, mais j'ai appris à considérer toutes les options. On ne sait jamais qui risque d'être au pouvoir. Exactement. Vous n'auriez pas vu Reyes? Non, mais je suis sûr qu'il ne va pas tarder. C'était un plaisir de vous parler, Kehema. Pour moi aussi, pionnier. Seul écart et je vous fous dehors. Prenez une bière, Kaitus. Ça vous fera du bien. Je ne bois pas en service. Prenez le temps de vivre un peu. Ne vous faites pas remarquer. Sloane va me faire passer un sale quart d'heure. Bah, tu me dis ça, on va aller parler à Sloane. Je vois que Kaitus n'a pas très bien fait son travail avec la liste des invités. Du calme, votre majesté. J'ai été invité par un ami. Je suis juste là pour boire. Profitez de la soirée comme tous les autres, mais tenez-vous à carreau. Parole de pionnier. Allez, du vent. Reyes, vous êtes passé où? Aucune réponse. Il me semble néanmoins qu'il s'est dirigé vers l'une des salles attenantes à votre arrivée, pionnier. Allons voir ce qui mijote. Bordel. Pourquoi les numéros de série ne sont jamais au même endroit? Venez passer une soirée sympa, il y aura à boire. J'aurais dû me douter que ça cachait quelque chose. Ryder. C'est pas ce que vous croyez. Vous vous êtes servi de moi comme diversion pour fouiller dans les affaires de Sloane? Bon, d'accord, si. Mais c'est dans notre intérêt à tous les deux, promis. Vous en faites beaucoup, des promesses. Merde, voilà quelqu'un. Une diversion, vite. Désolé. On a mis un peu trop picolé. Quoi? Ça a marché? La prochaine fois, c'est moi qui trouve un plan.
La voilà. Tout ça pour ça. Du whisky. La seule bouteille de Mont Milgrom d'Andromède. 645 ans d'âge, triple distillation. Ce n'est pas du whisky. C'est un trésor. J'espère que vous comptez partager. On verra. Allez, filons d'ici. Magnifique, n'est-ce pas? Il m'arrive parfois d'oublier. Est-ce qu'Andromède a été à la hauteur de vos attentes? Chaque jour amène son lot d'aventures. Et mes soirées sont intéressantes. Et vous? Pourquoi vous êtes venu ici, Reyes? Pour devenir quelqu'un. Vous l'êtes pour moi. À nos prochaines aventures. Et à de nouvelles amitiés. L'équipement que vous avez là. Et vous pourriez trouver encore mieux. Jetez un œil sur la console. Justement, je cherchais quelque chose de plus efficace. Ça sera pas trop dans le coin. En effet, j'ai amélioré certaines pièces de stuff, donc voilà, autant les mettre. Je reçois un appel de Sloan.
Sloane, sérieusement? Il faut que je vous parle, venez seul. Qu'est-ce que... Elle a raccroché, pionnier. Charmant. Je ferais bien d'aller voir ce qu'elle veut. J'irai après, hein. Qui ont volé les satellites d'Angara et détruit le vaisseau de recherche. Quelles sont les chances qu'ils se rendent sans faire d'histoire? Moins d'1%. Il n'arrive pas à répéter ça alors que j'ai déjà fait la mission. Ah. Cachette des hackers qui ont attaqué Sam. N'oubliez pas, ces gens pensent que leur virus a marché. Sam n'existe plus, et je suis de leur côté. Pas bête. Sam, canal privé uniquement, une fois à l'intérieur. Bienvenue dans notre sanctuaire. Je m'appelle Catherine Lagustis, la justice pour mes collègues. J'ai conçu le virus qui vous a libéré de Sam. Je sais pas comment vous remercier. Je suis navrée que votre père ait fait ça. L'initiative et son usage des IA nous mettent tous en péril, et vous étiez le premier à en souffrir. La séparation a été surprenante. Vous auriez pu me demander mon avis. Je ne pouvais pas être sûre que votre réponse serait bien la vôtre, et non celle de Sam. J'ai vu la folie de la fusion humain-IA dans la Voie Lactée, un projet confidentiel appelé Suprématie, qui a engendré un monstre. Beaucoup sont morts, mon fils a été blessé, et le jeune homme utilisé comme hôte a été... consumé. Tous les pionniers risquent le même sort. C'est vraiment possible? J'ai jamais entendu parler du projet Suprématie. Il faut croire que votre père non plus. Excusez-moi, j'ai du travail. À moins que vous ayez des questions. Si vous avez peur des IA, pourquoi avoir rejoint une organisation qui les utilise? Il fallait qu'on s'échappe. Je pensais que l'initiative utilisait des IA limitées pour la recherche. Quand j'ai compris, un pompier ne se défile pas devant les flammes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le projet Suprématie? C'était une expérience confidentielle par des savants fous pour fusionner un cerveau humain et une intelligence synthétique. Ils ont créé une véritable horreur. J'ai payé cher pour sortir mon fils de là. Vous pensez que les pionniers risquent d'être manipulés par leur IA? Pire, si l'initiative pense que la fusion humain-IA fonctionne, elle pourrait la rendre accessible à tout le monde. Imaginez les pouvoirs de Sam entre les mains de gens qui ne sont pas prêts à les recevoir. Je vous laisse travailler. Merci. Et ne vous en faites pas. Notre détecteur d'IA est toujours à l'affût. Sam ne se reconnectera pas. C'est bon à savoir. Le virus n'était qu'un début. Je suis sur le point de m'assurer que l'initiative ne répétera jamais son erreur. Pionnier, il est peu probable qu'un détecteur d'IA puisse discerner notre canal privé. En revanche, l'usage du scanner est plus risqué. La justice prépare un gros coup. Je n'aime pas ça du tout. Elle est dangereuse. À nous de mettre tout ça au clair. Discrètement.
Ça de manière discrète, enfin, on va essayer en tout cas. Oh, bienvenue, je m'appelle Laveria. Je suis tellement contente que le virus de la justice ait fonctionné. Je peux vous aider ? La justice semble vouloir passer aux choses sérieuses. Oh oui, ça ne devrait plus tarder. Elle vous a expliqué de quoi il s'agissait ? Pas vraiment. C'est à son fils qu'il faut demander, Alain. Pourquoi vous avez rejoint le mouvement de la justice ? Je sais, je n'ai pas l'air d'un hacker clandestin, hein ? Avant, j'étais concierge sur la citadelle. Je codais des jeux pour mes petites sœurs. Elles jouaient ensemble, elles allaient à l'école ensemble. Et quand les guettes ont attaqué la citadelle, ces machines les ont empalées sur des pics, ensemble. Quelle horreur. Je suis désolée. C'est pour ça que j'ai quitté cette galaxie, puis rallié la justice. C'est un soulagement d'être libre. Mais Sam n'était pas si terrible. Chaque IA est différente. Aucun des guettes qui ont attaqué la citadelle n'a empêché les autres de faire du mal à mes petites sœurs. Je suis désolé. Sam aurait été désolé aussi. Ah bon ? La machine aussi ? Eh bien, merci. À plus tard, Laveria. Au revoir. Revenez quand vous voulez. Ça doit être dur à entendre, Sam. Ces IA sont le produit d'une autre civilisation. La nôtre sera fondée sur le partenariat entre vie organique et vie synthétique. J'allie les leçons durement apprises du passé et les promesses de l'avenir. On dirait la console personnelle de la justice. Sam, tu peux y accéder ? Oui, mais pas sans déclencher le détecteur d'IA. Vous n'aurez qu'une seule chance. Ok, attendons de savoir ce qu'on cherche alors. Vous devez être Ryder. Alain, c'est ma mère qui commande par ici. Mais vous, vous êtes une célébrité. Désolé de ne pas pouvoir vous faire visiter, je suis coincé ici encore pour quelques heures.
T'as un problème ? Je vais bien. C'est juste des séquelles de ce bon vieux projet suprématie. Quand ma mère... Non, je dois pas parler de ça. Bref, je peux vous aider ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le projet suprématie ? Ma mère avait été embauchée comme programmeuse par des gars des forces spéciales qui cherchaient à créer un hybride humain IV. Ils m'ont dit que j'étais éligible pour la partie humaine. Après tout, mon corps était déjà en sale état. Mais mes implants ont été piratés et ma mère a décidé de partir. Heureusement, le projet est vite parti en live. Je peux te demander pourquoi t'as besoin de toutes ces machines ? J'ai contracté une grave infection du système nerveux. Depuis, des implants vertébraux me permettent de marcher et de... d'aller aux toilettes. Mais quand ma mère travaillait sur le projet Suprématie, mes implants ont été piratés. Ils fonctionnent encore, mais je dois passer plusieurs heures par jour à les synchroniser. Ta mère semble avoir une idée en tête. Elle a toujours une idée en tête. Une grosse cette fois. Tu peux pas m'en dire plus ? J'aimerais bien, mais vous venez d'arriver. La confiance, ça se gagne. Je l'ai appris à mes dépens. Je dois y aller. Vous savez où me trouver ? Pionnier, je crois que nous pouvons réparer les implants d'Alain. J'ai les schémas d'un appareil approprié. Nous aurons besoin de temps et de ressources. Ou je peux commencer à scanner, mais c'est risqué. On va essayer d'aller construire l'appareil curatif. Hein. Et en même temps, on va parler à Sloane, vu qu'elle voulait nous parler. Mais je m'en fous que vous soyez pressé, mon brave. Sloane prend une taxe sur toutes les cargaisons qui passent par Kedara. Vous n'avez pas pris la main. Si je vous payais, vous le savez bien. Pas dans le registre. Où sont tous les autres ? Je leur ai dit de me laisser tranquille. Quelqu'un vous a énervé ? Le charlatan s'est servi de mes hommes pour tabasser Kaïtus. Il est vivant, mais à peine. Le charlatan se sert de Kaïtus pour vous pousser à bout. Je le sais bien. Ce n'est pas votre pitié qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous ne me portez pas vraiment dans votre cœur. Le charlatan a laissé un message sur le corps de Kaïtus. Il veut qu'on règle nos comptes. Il m'attend au drôlir. Ça sent le piège. Vous croyez ? Je me méfie de mes hommes, mais vous, vous êtes un étranger. Et respectable. Le charlatan a eu tout le temps de passer à l'action. Pourquoi maintenant ? J'ai assez ignoré le collectif comme ça. Je les ai pris pour un simple groupe d'arrivistes. Mais à force, ils ont pris de l'assurance, et ils sont dangereux. Ce qui est arrivé à Kaïtus est ma faute. Il faut que j'agisse. Vous me suivez ? Je viens en renfort. Cette rencontre décidera du sort de Kadara. J'espérais qu'on pourrait éviter d'en arriver là, mais bon, c'est la vie. Hein ?
Retrouvez-moi à cet endroit. Je pars devant. Rien que ça, le sort de Kadara. Bien entendu, aller mettre la prothèse au jeune homme, voir si on arrive à continuer la mission de manière discrète. Dangara et détruit le vaisseau de recherche. Quelles sont les chances qu'il se rende sans faire d'histoire? -1%. Alain, j'ai fabriqué quelque chose qui devrait permettre de réparer tes implants. Sérieux? Ouais, je sens mes nerfs se réveiller. Je lui dirai après Mercure. Elle va être folle. Merci. Avec plaisir, Alain. Ta mère semble avoir une idée en tête. Elle a toujours une idée en tête. Une grosse, cette fois. Tu peux pas m'en dire plus? Désolé. Mercure est une opération délicate. J'aimerais pouvoir... Je dois y aller. Encore une fois de plus, ça, cette fois-ci, Mercure. On va voir Mercure. Si on peut pas trouver ça. Sûrement un nom de code pour le projet de la justice. Cela me permettra de trouver rapidement des données utiles. Fouillons la console de la justice pour voir ce qu'elle manigance. Protocole de sécurité neutralisé. Cherche tout ce qui contient le terme Mercure. Fichier trouvé, Mercure. Une attaque visant à détruire l'ensemble des ordinateurs quantiques du Nexus pour empêcher la création d'IA. Eh merde, ces ordinateurs sont peut-être capables de créer une IA, mais actuellement ils font tourner la moitié de la station. Ce plan pourrait faire beaucoup de victimes. Il faut qu'on arrête la justice, et vite. Mais discrètement, d'accord? Oh, mon scanner a déclenché le détecteur d'IA. Je peux faire passer cela pour un bug, mais les prochaines alertes risquent d'attirer l'attention. Il y a peut-être un autre moyen de comprendre ce que la justice manigance, si elle nous laisse assez de temps. Un appareil à IEM militaire, habituellement utilisé pour endommager des équipements électriques. J'avais cru comprendre que le protocole avait été désactivé, donc c'est pour ça que j'avais utilisé le scanner. Bon bah tant pis, on va faire ça.
Je suppose que c'est sur le Nexus, hein, vu que c'est mis sur le Nexus, donc on pourra plus rien faire ici à première vue. Possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Sont épuisés dans cette zone. Loin de tout, c'est mauvais signe. Vous avez pris votre temps. Allez, finissons-en. Je suis d'accord. On dirait que vous attendez quelqu'un. Reyes. Reyes. Je viens voir le charlatan. Pas un trafiquant de bas étage. Ils ne font qu'un. Surprise. Putain. Ils nous manipulent depuis le début ou quoi? L'espion Angara. Votre intérêt pour les meurtres des Roekar. Tout ça, c'était dans le seul but de saper l'autorité de Sloan. T'en vas la cruche à l'eau. Vous disiez vouloir régler nos comptes. Comment? Un duel. Vous et moi, maintenant. Le vainqueur prend Port Kadara. Vous voulez éviter une guerre en sortant les armes? Deux personnes qui se tirent dessus, ça vaut mieux que toute une ville qui s'entretue, non? D'accord, ça me va. Qui va gagner? Un sniper, braqué droit sur Sloan. Tricheur. Sniper! Eh merde, couvrez-moi! Il est désarmé, donc je ne tire pas dessus. Non. L'avait laissé filer. Il n'avait pas d'armes. Il est nulle part où se cacher. Comme moi, quoi, mes hommes vont le retrouver, et sa tête finira sur une pique. Non, les têtes sur des piques, les exécutions publiques, c'est fini. On n'est même pas sorti de la grotte et vous faites déjà des réclamations? Je vous ai sauvé la vie. Vous avez intérêt à m'écouter maintenant. Je ne ferai jamais confiance à Tan et à l'initiative. Mais je ne vous en veux plus. Un beau décor quand même. On va en profiter, on va aller voir si on peut faire l'avant-poste maintenant.
Info au combat. Génial, on s'en sort rien de corps. Cible neutralisée. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Toujours rien. Vous aviez raison, Ryder. Maintenant que les conflits politiques sont réglés, je commence à apprécier Port Kadara. Presque autant que la douleur atroce d'une plaie infectée. J'ai gardé ça pour moi jusqu'ici, mais je veux être honnête avec vous. Je déteste cet endroit. Vous vous plaignez chaque fois qu'on se pose ici. Pourquoi vous restez pas sur le vaisseau? J'ai peur de rater des choses intéressantes. Oui, Ryder. Ça va? Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Enad. Oh, pardon, je voulais juste vous aider. Et rien n'est jamais gratuit avec les vôtres. Il y a toujours un prix à payer. Avec Sloane comme dirigeante, je peux comprendre votre point de vue. Mais on n'est pas tous comme ça. C'est vrai que vous n'avez pas l'air comme les autres. Vous êtes plus... sympa. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Ma sœur Morga. Elle travaille sur les tuyaux, pour que le port reste approvisionné en eau filtrée. Mais ça fait 3 jours qu'elle a disparu. Est-ce que le travail de Morga est dangereux? Parfois. L'eau de Kadara est extrêmement acide. On peut subir de graves brûlures quand on répare les fuites. Mais personne ne connaît mieux le système de filtrage de Kadara que ma sœur. Ça lui est déjà arrivé de disparaître comme ça? Jamais. Il ne reste plus que nous deux. Les Kert ont tué le reste de notre famille quand ils ont envahi Kadara. J'essaierai de retrouver votre sœur. Merci. Pionnier, on pourrait utiliser les grilles pour scanner les tuyaux à distance raisonnable. Il a changé de texte, lui. Pionnier, vous venez chercher votre dû. J'ai prouvé que j'étais votre allié. Il serait temps que vous me traitiez comme tel. Vous êtes un sacré emmerdeur, vous savez. On me l'a déjà dit. Mais vous m'avez sauvé la vie. Je sais que le Nexus a besoin d'avant-poste et Kadara est en meilleur état que les autres planètes.
Tan ne l'admettra sûrement pas, mais établir un avant-poste ici est une sage décision. La première étape vers la réconciliation. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas avec Tan que je travaille, mais avec vous. Le Nexus nous a exilés, laissés pour mort. Je ne l'ai jamais pardonné ni oublié. Les deux parties ont le droit d'être en colère. Mais cet avant-poste est l'occasion d'offrir à tous un avenir meilleur, ensemble. Vos foutaises diplomatiques ne prennent pas avec moi. Je veux une part de la production de vos colons. Voyez ça comme des frais de protection. Le collectif est toujours dans les parages. Il ne faudrait pas qu'il se fasse des idées. Ça ressemble presque à de l'extorsion. Marché conclu? Vous allez être agréable avec moi maintenant? Il ne faut pas pousser non plus, Ryder. Intéressant. Et je pense que maintenant on va pouvoir aller faire l'avant-poste. Pionnier, Kadara est désormais apte à accueillir un avant-poste. Les Badlands sont toujours dangereux, mais avec la protection de Sloane, on devrait s'en sortir. Oui? Est-ce que vos hommes ont réussi à retrouver Reyes? Pas encore. Ce fumier joue à cache-cache, mais on finira bien par l'avoir. Une fois que Kaïtus se sera remis, il prendra personnellement la tête des recherches. Je vous laisse tranquille. Bien. Côté, je me dis, bon, on va quand même essayer. J'étais pas sûr de faire la quête, mais on va quand même essayer de la faire. Je crois que madame est morte. Signe vitaux négatif, pionnier. La mort remonte à 3 jours. Ça correspond au moment de la disparition. Je devrais en informer sa sœur. D'accord. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien? Vous revoilà. J'ai trouvé un corps coincé sous les tuyaux. Il y a... Je pense que c'est Morga. Ah, non. C'est je lui avais dit de ne pas travailler seul. Peut-être attendre qu'on retourne sur Aya. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. Ne pas savoir aurait été pire. Merci. Non, merci. Ça va, je suis rapide. On va vite faire l'avant-poste, comme ça, ce sera fait. Salut, Ryder. Prenez garde, Ryder. Vous avez aidé Sloane à garder le contrôle de Kadara, mais ça ne veut pas dire qu'elle se sente redevable. Non, je compte bien rester au fait de ce qui se passe sur Kadara. Je ne vais pas me laisser manipuler ou prendre par surprise. C'est bon à savoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Attention avec ces caisses. C'est fragile. Qu'est-ce qu'elles contiennent ? Des composants électroniques, des fioles de médicaments, ce genre de choses. Pour le Nexus? Exactement. Ça leur sera bien utile. Salut, Ryder. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je suis Kadara un peu... Kadara est désormais apte à accueillir un avant-poste. Oui, tu vois, je dis. Les Badlands sont toujours dangereux, mais avec la protection du collectif, on devrait s'en sortir.
À chaque fois, je suis un peu pas. Il y a genre un mur invisible à chaque fois que j'arrive dans la zone. Enfin, à chaque fois, je fais un petit détour sur la gauche. Joli le véhicule qui avance tout seul, génial! Cette zone est propice à l'installation d'un avant-poste de l'initiative pionnière. Confirmé. Établissement de l'avant-poste. Formidable. Voilà qui devrait faire autant de mécontents que de bouches nourries. Madame la directrice, j'espère que vous appréciez le spectacle. J'apprécie les progrès. L'aspect spectaculaire, c'est autre chose. Sérieusement, un avant-poste sur Kadara, une planète revendiquée par les pires des exilés, vous avez intérêt à être sûr de vous. On peut pas leur tourner le dos. L'initiative a sa part de responsabilité. Vous n'étiez pas là, mais vous êtes ici maintenant, et la décision vous appartient. C'est une victoire, et toute victoire est bonne à prendre. Continuez. Encore un pas en avant, mais bien sûr, ce n'est pas terminé. Ce n'est jamais terminé. Maintenant, il va falloir vous adresser au peuple. Vous pensez pouvoir susciter leur enthousiasme? Vous voulez que je vende Kadara? Vous allez vraiment diffuser ça? J'ai mes inquiétudes, mais mon registre compte un avant-poste de plus qu'hier. Vendez-le. Nous nous sommes entraînés pendant des années. Et à notre arrivée dans Andromède, tout a changé. Le rêve a failli s'éteindre. Mais nous pouvons le reconstruire. Apporter la stabilité. Jamais un monde n'a eu autant besoin de nos efforts combinés. Pour la postérité, pionnier. Terminé. 100%, ouais. C'est le pionnier. Première vue, pas de quête, parfait. Comme vous vous en doutez, c'est également un avant-poste scientifique. Tous les avant-postes sont scientifiques vu que c'est le choix que j'ai fait avec Soyos. Ce qui est pas plus mal. J'ai localisé un site approprié pour un récepteur SIH pionnier. Coordonnées ajoutées. Thank you.
Service d'information des Deus, nous sommes en direct. Et voilà, ça, ça fait aussi. On va donc pouvoir retourner sur le Nexus. Sur le Tempête, désolé. Gail est prêt à vous parler du transmetteur Kert. Il vous reste des PVA à dépenser, pionnier. J'ai le popcorn, et ce truc que vous appelez Graxen. Merci. J'en dois une à Cora pour m'avoir laissé utiliser son accès. Ça va être génial. Comme quand Sid était petite et qu'on regardait des holos ensemble. Pionnier, le piège que vous avez placé dans la soute, il s'est déclenché. Je crois qu'on a un invité. Avec les cartes établies ici, et vu l'état de la situation, on devrait peut-être concentrer nos efforts pour quitter ce secteur. Vous voulez dire laisser tomber? Fuir? On est venu trouver un nouveau chez nous. Pas un nouvel ennemi, non? On savait que c'était une possibilité, et on est venu quand même. Exactement. Gil, voilà le transpondeur Kert. C'est avec ça que l'espion recevait ses ordres. Quelles infos il faut qu'on en tire? L'emplacement de l'émetteur. Ça devrait nous donner la position du vaisseau de l'Archonte. D'accord. C'est pas comme si c'était essentiel. Juste notre meilleure chance de trouver Meridian. De la pression? J'adore. Heureusement, où qu'on soit dans l'univers, les lois de la physique restent les mêmes. Y a pas 36 façons de communiquer dans l'espace. Voilà, faites un essai. Attendez, vous avez connecté le... Merde, éteignez ça! Faites gaffe, c'est une ligne directe vers des types qui veulent massacrer tout ce vaisseau. Sam? J'ai les coordonnées. Le signal vient du système Tafeno. On tient vraiment à faire ça? Je sais qu'on est encore en train de prendre nos marques, mais je vois pas d'autres possibilités. Je savais que partir pour Andromède serait dangereux, mais bordel! Ça, c'est vraiment dangereux. Seulement si on se fait tuer. Ouais, seulement si on se fait tuer. Pourquoi pas? Salut, Ryder. Quoi de neuf? Merci pour la causette, Gil. Y'a pas de quoi. Salut l'ami,
C'est donc toi qui manges toutes nos céréales. Hey, tout va bien. Je vais pas te manger. T'es la créature la plus adorable que j'ai rencontrée jusqu'ici dans Andromède. Je devrais te trouver un endroit plus sûr que la soute. Et si je te trouvais une belle cage au chaud dans mes quartiers, avec tout plein de céréales? Tout le monde a besoin d'un foyer par ici. Oh, je le garde. Bonjour Ryder. Port Kadara soulève plusieurs questions importantes pour l'avenir. Quelles questions ? Si nous prospérons dans Andromède, de nouvelles IA seront créées. Nous sommes des individus. Il se peut que certaines commettent des actes illégaux. Mais si les IA sont des citoyens, il doit y avoir des lois et des sanctions pour nous aussi. Je me demande quelle forme elles prendront. Alors, c'est blague, Sam. Pourquoi les dévoreurs ne mangent-ils pas de comiques ? Parce qu'ils ont un drôle de goût. Alors, c'est blague, Sam. Mes algorithmes sont en train d'en créer une nouvelle. Calcul de la trajectoire de la chute en cours. Ce n'était pas une blague. Ah, pardon. Merci, Sam. Ça n'était pas trop mal, là. C'est donc ici que nous allons nous laisser. Nous continuerons donc l'aventure avec les arches, j'espère en tout cas, dans le prochain épisode. D'ici là, faites attention à vous.